Une organisation caritative soutenue par le duc et la duchesse de Sussex fait l'objet d'une enquête après qu'il a été révélé que deux patrons avaient été payés près de 2 millions de livres sterling en moins de 5 ans. L'enquête concerne une mère et sa fille qui font partie des directeurs principaux de One Young World, une communauté mondiale de jeunes leaders. Les comptes montrent que la directrice générale de l'organisme de bienfaisance, Kate Robertson, 67 ans, a reçu 1,3 million de livres sterling de salaire et davantage entre janvier 2017 et juin 2021. Sa fille Ella McKay, 33 ans, l'une des deux directrices générales de l'organisme de bienfaisance, a reçu plus de 580 000 livres de salaire et davantage au cours de la même période. La Charity Commission a maintenant lancé une enquête sur One Young World, quelques jours seulement après la publication des portraits de Harry et Meghan pris lors du sommet annuel de l'association à Manchester en septembre. Le groupe a bénéficié d'une notoriété grandissante grâce à la duchesse, devenue l'une de ses conseillères en 2014. Meghan a déclaré au délégué à Manchester qu'elle était ravie que le prince Harry ait pu la rejoindre pour être le témoin direct de mon respect pour cette organisation. Harry a été vu en train d'embrasser Madame Robertson lors de l'événement. Rien n'indique que les Sussex connaissaient les niveaux de rémunération. Un porte-parole de One Young World a déclaré qu'il travaillait avec la commission pour répondre à toutes les questions qu'il pourrait avoir. Le porte-parole a ajouté, « Nous sommes convaincus qu'il n'y a eu absolument aucun acte répréhensible. » L'administrateur David Jones a déclaré que l'organisme de bienfaisance se conformait au règlement de la Charity Commission. On pense que l'organisation n'emploie que 33 personnes.